chante au premier feu de l'aurore. Les premiers feux de l'aurore, si bien fragiles, symbolisent les humbles commencements ou les modestes ensemencements. Pour construire de magnifiques œuvres, tu n'as pas d'abord besoin de réaliser des œuvres d'éclat ou d'être à des positions stratégiques. Ta détermination au bien suffit. L'histoire n'est pas que l'histoire des grands hommes. La marche d'un peuple s'écrit bien souvent à partir des lieux marginaux. Gutta cavat lapidem. La goutte d'eau finit par percer la pierre. Les petits pas déterminés, les insignifiants actes des hommes les plus simples, mais portés par une volonté ferme, sont capables de renverser le cours des événements et de produire l'inouï, l'inespéré, l'inédit. Nous avons donc un défi historique de liberté à assumer, savoir chanter au premier feu de l'aurore, c'est-à-dire nous engager à démanteler toute stratégie ou toute structure de refus du progrès, de meurtre de l'intelligence, de persécution de l'élite et d'élimination physique ou morale de ceux qui s'appliquent à quelque effort. Que d'hommes valables et valides, rendus invalides par méchanceté. Que de talents détruits et enterrés, et par toutes sortes de moyens modernes, ésotériques ou occultes. Les richesses de nos cultures sont à mettre au service de la promotion de l'autre. Le bien l'emporte toujours. Le bienfait n'est jamais perdu.